Kadji Keita, inspectrice de la brigade des mineurs, et mon collègue Benoît Petitpierre. Mais c'est Marek. On a peut-être déjà retrouvé votre agresseur, on le connaît bien. Pourquoi tu me parles comme si tu me connaissais pas? J'étais surprise. Vas-y. Ah putain, mais j'ai rien fait là. Marek, arrête, t'es comme ça. Vas-y, lâche-moi, sale pute, va. T'étais où samedi soir? Au foyer, j'ai pas le droit de sortir. Je vais résilier mes trois parents. Tu fais quoi là, maman? C'est plus possible. C'est Elena, elle est pas rentrée depuis samedi soir. Ça fait deux jours qu'on l'a pas vue. Et les fugues, c'est souvent des appels à l'aide. C'est pas une fugue. Il lui est arrivé quelque chose, je le sens. La même nuit, le même quartier. C'est bizarre quand même. Parfois, entre Elena et mon daron, ça gueule. C'est juste que depuis que mon père, il bosse plus, il s'énerve un peu pour rien. Il bossait où? Aux entrepôts. Tu sais que si tu veux pas parler, moi je vais être obligée de te mettre en préventive. Messieurs. Alors je me présente, je m'appelle Anaïs Joly, je suis éducatrice. Bon, bats les couilles, je te pisse dessus, moi! Ces réformes doivent nous permettre de réduire de manière drastique les dépenses de ce département. Ce type va détruire ce que vous avez mis des années à construire. Raison de plus pour que vous preniez la présidence. Vous refusez parce que vous avez peur. Vous pouvez aller voir ma mère? Elle peut pas faire ça, madame. Dites-lui, je deviens fou. Ok, je vais aller la voir. C'est Elena.